Salut à tous les amis, c'est Lina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, mais sur Ropette. Donc sur Ropette, il y a également la mise à jour de Noël, que je trouve qu'elle est très 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 merveilleuse. Donc on va aller voir déjà, il y a deux petits mini-jeux. Déjà, regardez les décorations. Avec ces petits bonhommes de neige, c'est magnifique. Là, vous avez des cadeaux à gratter. Et vous avez des bonbons. Voilà, vous collectez des bonbons de Noël. Vous pouvez les collecter également dans les mini-jeux. Donc, il y en a un ici qui est la course de motoneige qu'on va se faire ensemble. Alors, la course de motoneige, en quoi ça consiste? Oula. Il faut passer dans tous les cerceaux et récupérer tous les points possibles. Voilà, vous avez votre petit pet qui est avec vous. Donc, on commence par les mini-jeux. Hop, ben voilà, je me suis mangé un arbre, ça commence... Oh là 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 là, au secours. Bon, on va continuer par là. Allez. Ici, je vais tourner là, je vais le prendre là, je vais reprendre ici. Ropette, c'est un jeu que j'aime énormément aussi. Comme, eh ben, ça ressemble un petit peu... Aïe, vive l'arbre. Ça ressemble, mais j'adore les arbres en ce moment. Donc, je vous disais, ça ressemble un petit peu à Adopt Me. Voilà, avec des pets. Mais je trouve que les pets, ils ont plus d'émotions sur ce jeu. C'est ce qui fait son petit charme. Voilà. Hop. 100 points, you. Oula, je me suis mangé Lisa. Désolée Lisa, je t'ai pas vu. Allez, reste 30 secondes. Bah oui, mais moi j'arrête pas de me manger des arbres. Donc c'est un petit peu normal que je me plante. Oui, j'ai pensé les 2100. On va faire nos petits mini-jeux et après on va aller faire un petit tour dans la boutique de Noël qui est tout aussi intéressante cette année. Voilà, j'ai eu 800 bonbons. Voilà, donc on va faire le deuxième mini-jeu qui est ici. Voilà, commencez. Alors là, vous avez un petit viseur et des boules de neige et vous tirez. Voilà, vous tirez sur les petits trucs qui brillent en haut, sur les têtes. Regardez là, hop, oula, là, là, oui, je l'ai eu. Là, c'est un peu plus difficile quand même. Je préfère quand même la motoneige, c'est plus simple. Ouais, parce que là, des fois, il faut tirer hyper haut. Ah ! Même en tirant, des fois ça vise mal. Voilà, là, 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 ouais, ah ben je l'ai pas eu celui-là. Alors, voilà, on continue. Il reste une minute, j'ai que 900 points. Oh my god, allez, faut que je passe au moins les 2000 si c'est possible. Ah, mais je l'ai raté. Ah, il y en a un qui vient d'apparaître dans ma tête. Allez, allez, on va y arriver, on va y arriver. C'est fait pour. Allez. Mais j'adore les mises à jour. En fait, je dois former sur Adopt Me, sur Ropette. Je vous dis pas que ça va être horrible. Surtout que sur Ropette, j'ai pas mal de choses que j'ai vues qui m'intéressent, surtout au niveau des maisons. Après, on ira faire un petit tour dans la boutique de Noël et je vais vous faire voir tout ça. Le pire, c'est que j'ai dépensé tous mes diamants. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher. Non, c'est les petlings de Noël qui m'ont intéressé. Allez, c'est terminé. Et j'ai eu 800 bonbons. Donc ça me fait quand même un total de 2610 bonbons. Donc on va aller voir un petit peu la boutique de Noël ensemble. Qui est ici.
Hop, j'ai une couronne à ramasser, j'ai ça à ramasser, hop. Des sous-sous, voilà. Je suis pas très très riche sur Opet, donc voilà, je suis plus riche sur Adopt-Me quand même. Donc voilà, ben regardez-moi ça ici, c'est... Ça arrive que le 15 décembre, c'est des petits trucs néons, des accessoires néons à mettre sur nos pets. Disponible le 15 décembre, je sais pas ce que c'est, 2023. Et puis qu'est-ce qui me fait mon bonhomme, petit bonhomme là, qui est en train de courir partout. Ici vous avez un motoneige 7900 bonbons. La canne à sucre, elle me plaît bien, elle est à 12 000 bonbons. Voilà, donc je me la prendrai sûrement. Le sapin de Noël volant, qui s'allume dans tous les trucs là, de toutes les couleurs. Il a combien celui-là? Tu vois, il a combien? Parce que j'arrive pas à trouver le... Ah si, il est là. Non, c'est Lisa. Il est à combien, tu sais pas? Ah non, il arrive le 15 décembre, voilà, et lui aussi, donc voilà. Ici, les maisons, les amis, les maisons, elles sont magnifiques. Regardez, il y a une maison sapin avec son terrain en sapin que je trouve trop belle. Il y a une maison bonbon sucre de canne avec son terrain en sucre de canne que je trouve trop beau aussi. Et une maison qui arrive le 15 décembre en cadeau. Avec son terrain, avec ses petits cadeaux. Que je trouve que c'est pas trop mal. Donc ici, les amis, vous avez des petlings de Noël. J'en ai déjà quelques-uns autour de moi, comme vous pouvez le voir. Et là, j'en prendrai avec vous. Allez, j'achète. Et je vais éclore ce petit... Rip mes diamants. Je vais éclore un petit petling. Et qui se cache dedans? Oh my god, le sapin! Oh, je l'avais pas. Je l'avais pas. Trop cute. Oh my god, c'est lui. Oh, il est trop beau. Je vais changer mes petlings. Je vais garder. Là, il y a Pini présent. Elfo. Je vais enlever le cadeau. Je vais mettre le render. Voilà. Rudy, il est beau. Il y a Elfo et puis Pini. Des super beaux petlings. Ah, là, il y a Rudolf. Alors ici, comme vous pouvez voir, les amis, vous avez des œufs. Des œufs qui sont à 3500 bonbons. Donc j'en ai déjà éclos, hein, les amis, quand la mise à jour est arrivée. Et j'ai eu ce petit bonhomme. Oula, il est caché. Ce petit bonhomme là que vous voyez là derrière, là, le petit gingerbread à choco. Donc qui est celui-ci. Voilà, celui-ci en normal. Sinon vous avez la version évoluée qui est très jolie aussi. Celui en pas d'épée givrée, il est beau. En version évoluée, vous voyez comment il est mignon. Là, j'adore, c'est les petites filles. Hein. Le pas d'épée givrée en version fille, qui est magnifique. Et celui-là, le pas d'épée choca, mais il est trop beau. Magnifique, même en évolué. Et les deux plus beaux pets du jeu, les amis, de la mise à jour de Noël, c'est ceci que je trouve. La petite licorne, c'est une petite licorne, ça, hein. C'est une idère, c'est une licorne, je sais pas quoi, un peu reine. Elle est en version normale. En version normale, elle est belle, mais regardez en version évoluée comment elle est belle en néon. Oh, magnifique, vous l'avez soit en version normale, soit en version évoluée. Mais en évoluée, elle est magnifique. Et celle-ci aussi. Oh la vache, elle est magnifique en évoluée. C'est deux licornes que j'adore et j'aimerais avoir. Et là, vous avez une chouette. Qui est magnifique aussi en évolué. En fait, les pets évolués sont magnifiques. Donc, voilà. J'espère avoir assez d'argent pour pouvoir acheter des œufs. Et avoir ces pets en version évoluée, ça me plairait trop. Mais pour l'instant, je me promène avec mon petit Choco Gingerbread qui est assis tranquillement. Qui a des mouches qui lui volent autour. Et là, c'est pour faire dormir les pets. On a le droit de faire dormir nos pets ici. C'est génial, ça. Il y a quoi là-haut? Oui, c'est pour s'asseoir. Le Père Noël, il va peut-être arriver. Et on va peut-être s'asseoir ici. Avec lui. Ah, c'est mignon. Regarde, encore. J'adore. Oh, mon gingerbread, il s'assoit. Il me regarde. Oh, je kiffe. Allez, là, je vais aller. Je vais aller faire courir. Mon pet à la salle de gym. Regardez-le quand il court sur son tapis, comme il est trop mignon. Mais c'est un jeu que j'adore, au pet. J'aimerais toujours
Même si je joue plus souvent à Doptomy, Ropet, c'est un jeu que j'aime énormément aussi. Là, je vais aller à la tasse. C'est bien pour les... à la tasse à café. En fait, c'est bien pour les téléportations. Vous voyez, ça va plus vite. On peut se téléporter directement à l'endroit souhaité. C'est ça qui est génial. On n'est pas obligé de courir à travers la map. Là, j'ai l'hôpital et la douche. Oh, Lisa, elle va éclore un œuf. Non? Oh my god. Oh my god, j'ai hâte de savoir qui se cache dedans. Va à l'hôpital avec moi et donne-lui à boire. Oh, il va éclore. Viens, on va à l'hôpital. Mets-le tout de suite. Allez, donne-lui à boire. Et on va voir qui se cache dedans. Oh my god, j'ai hâte. Oh, imagine, t'as une licorne évoluée. De Noël. Attends, je recule un petit peu. Il y a mon gingerbread, il veut pas. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, vous avez une éclosion en direct d'œufs de Noël. Et c'est... Oh non, il est où? Ah, tu l'as eu... Oh, t'as eu la fille. T'as eu la choco. Moi, j'ai le choco et toi, t'as eu la choca. Oh, mais elle est trop belle. Oh, regardez comment ils sont cute, les deux, là. Oh, elle est magnifique. Oh, la vache. J'adore, elle est belle comme tout. Ben, allez, je vais aller à l'hôpital. Donc pour aller à l'hôpital, il faut se taper à la source thermale, les amis, et courir à la source. À côté, voilà, vous avez des bassins. C'est cela, l'hôpital, c'est des petits bassins que vos pets guérissent quand ils sont malades. Après, j'allais à la maison, parce que oui, à la maison, il y a pas mal de choses aussi à voir. Je vais à la maison. Voilà, je me tape et regardez, c'est ma maison ici. Il faudrait que je change parce que je suis arrivée à 4137. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah tant pis. Voilà, les amis, regardez, j'ai même rencontré une youtubeuse il n'y a pas longtemps sur le jeu. Donc, j'ai eu le trophée de cette youtubeuse que j'ai mis là. Je suis trop contente de l'avoir rencontrée. En plus, elle est super gentille. Ici, j'ai tous les cacas de mes pets me font. J'ai encore eu un nouveau caca hier aussi. Celui-ci, là, avec le petit... Hey, mais qu'est-ce que tu fais sur le caca? Bon, il est parti admirer le caca. Mais c'est quoi, ça? Bon, je le referai plus tard, c'est pas grave. Là, j'ai mis mon sapin de Noël, parce que regardez, on a des sapins de Noël en décoration. Pour Noël, c'est génial. Donc, je vais vous faire voir ça dans les décors. Les décors, c'est là-dedans. Pour Noël, vous avez des sapins qui sont... Oh, il y a des bonhommes de neige. Il y a deux sapins. Il y a des petits cadeaux. Vous voyez, vous avez plein de petites décos. Ah, moi, je vais peut-être me mettre un petit bonhomme de neige pour décorer en plus de mon sapin. Je vais mettre où mon bonhomme de neige, dis donc. Je vais prendre celle-là. Beaucoup de sous. Hop là. Wali walou. Ah, c'est trop beau. Voilà. Bon, ouais, pour l'instant, c'est bien comme ça. Moi, je l'ai fait grandir. Il veut dormir. Ouh là là. On va tirer faire dodo ici à côté. Voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose en décor. Là. S'il y a des petites choses de Noël, non. Je regarde vite fait, non, il n'y a rien ici au niveau des lits. Y a-t-il des lits de Noël? Non. Au niveau de la cuisine, il n'y a rien non plus. Oula, non. La douche, bon là, non. Pour les pets, je pense que... Bon, non, il n'y a rien pour les pets. Dommage, hein, ils auraient pu faire un petit truc. Bon, il y a là, on a déjà vu. Bon, après là, les coupes. Non, il n'y a rien d'autre pour Noël. Il y a que des petits bonhommes et un sapin. Que je trouve que c'est plutôt trop mignon. Et que j'adore tout particulièrement. Voilà. On va aller voir dehors et on va aller regarder un petit peu les maisons. Les petites maisons de Noël. Donc là, les amis, il y a Malisa qui est malade, désolée. Vous avez la maison sapin qui a 6500 bonbons. Regardez comment elle rend. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Pour l'instant, on a que celle-là. Et celle de à 4500 bonbons. Regardez comment elle est belle.
Mais moi, je préfère quand même le sapin. Donc, je vais partir sur celle-ci. Donc, dès que j'ai 6500 bonbons, j'achète la maison sapin. Donc, ça va pas tarder. Et le terrain. Le terrain, ici, il est à 1500 avec des cadeaux. 1500 avec des sucs de canne. Puis après, les autres, elles sont pas là. Si, 2500 ici. 2500, celle-ci. Mais les maisons, il n'y en avait pas une qui arrivait. Il y en a. Non, la dernière, elle n'est pas là. La maison cadeau, elle n'est pas encore là. Elle arrive que le 15 décembre. Donc, je me tâte. Donc, je vais prendre celle-ci déjà. C'est celle que je préfère. Que je reprendrai dès que j'ai l'argent. Et là, pour l'instant, je vais peut-être changer le terrain. Donc, c'est soit ça. Soit ça. Soit ça. Bon, je pense que je vais prendre celui-ci. Non, je le repeins pas. Voilà, j'ai mis des cadeaux. J'ai déjà acheté le terrain. Je suis contente. Il est magnifique, ce terrain, avec des cadeaux partout. J'ai redonné la touche à mon pet. On est dans la salle de bain. Parce que là, c'est des maisons. Elles sont super grandes, hein, comme vous pouvez le voir. Je commençais à décorer un petit peu. Hop. Allez. Et voilà la petite déco du coin. Bon, je vais faire vite le tour du propriétaire. Donc ici, vous avez la salle de sport. Ici, c'est la salle principale. La petite cuisine. Avec les distributeurs. Ici, vous avez un bureau. Le petit bureau gaming. Ici, vous avez la chambre. J'ai décoré pas trop mal, je suis contente, j'ai quand même avancé pas mal dans ma déco. Ici, vous avez la salle de bain. Voilà, que j'ai déjà fait voir, je pense. Là-haut, vous avez tout un étage avec des chambres et des pièces partout. Voilà, que je n'ai toujours pas fait. Parce que voilà quoi, je sais pas quoi faire à l'étage en plus. C'est immense, regardez, c'est immense, il y en a partout. Je ne sais pas comment décorer l'étage. Et voilà quoi, donc il faut que je refasse un peu de l'argent. Donc ici, voilà. Bon, je vais descendre. Si je me perds pas, bah, je me perds même chez moi, vous voyez. C'est tellement grand. Youp. Donc je vais envoyer mon pet à la gym, car il veut aller à la gym. Voilà, j'adore quand il court. Oh non, j'aime trop. Allez, je les adore tous les deux, comment ils courent, ils me font trop rigoler. J'ai une petite couronne, oh j'ai gagné un peu, oh j'ai gagné une capsule. Ah bah on va l'ouvrir hein, les amis, on va l'ouvrir cette petite capsule que je viens de gagner. Elle est où? Allez, on va ouvrir cette mini capsule. J'ai un chat. Ah, un Puggy, oh il est trop mimi. Non mais je vais en mettre ceux de Noël que je trouve deux fois plus beaux. Il faut. Voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas-là, lâchez un méga méga like. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Je vous adore. Ciao, ciao.